à tous, c'est Galbion Magnus. Et donc, Kyubi, qu'est-ce que tu faisais, monsieur? Une petite galanterie. Ouais, on voit ça, hein. Et on se retrouve pour la suite de l'épisode. Donc, toujours nos vacances mortelles. Et donc, ben, on devait quoi? Réactiver les serveurs, tout ça, là, tout un truc à faire. Ouais. Voilà. Ben, dites-nous si nos petites intros vous font rire, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, oui. Ça coûte rien. Et on pourra vous proposer du coup plus de vidéos, plus de let's play. Alors attends, tiens, ben. T'as une case d'identité là à côté de l'ordinateur. Ah ouais, ça y est. Ah, il y a des tatouages là, tiens. Moi qui adore les tatouages. Un gars qui devait aimer les tatouages, il s'était fait une. Bon, attends. Oula. Ouh, c'est quoi ça? Un assassin. Cocktail Molotov pour moi. Tu recules? C'est un assassin? Ouais, c'est un assassin. Attends. Ah, mais le cocktail va nous cramer là. Recule, recule. Je le finis à la tête au magnum là, dans la tête. Attends, on attend que toute sa vie s'use. Mais je voudrais le finir au magnum pour la vidéo. Oh, j'ai plus de balles. Bon, faut le finir. Oh, oh, je vais couper la tête. Voyons voir qui y a là. Tiens, il y a un serveur à réactiver là. On réactive, on réactive. Voilà. Tiens, faudrait économiser un petit peu la lampe. Est-ce qu'il y a du zombie là? Est-ce qu'on peut passer là? Ouais, on peut passer. Tiens, il y a un bon petit paquet là. Oula, ils sont 4. T'as. J'ai une rage. Ça vaut le coup pour 4 zombies. Ouais, vas-y. Moi aussi j'en ai une rage. Niveau supérieur, ouf. Oh putain, il fait mal ce bâton. J'ai amélioré le bâton enflammé, donc c'est vrai qu'il fait beaucoup plus mal. Petit bullet time pour moi. Ah bah tiens, bah écoute, pendant que t'actives, je passe au niveau, pendant, comme ça tu peux activer les serveurs. Je vais m'occuper des ordi. Voilà, tu fais l'informaticienne. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'activer là? Ouais, j'ai envie de trouver encore plus de balles. Augmente les chances de trouver des balles à 60%, ça va être énorme. Voilà. Quand on va arriver en ville. J'ai hâte qu'on arrive en ville parce que tu sais, en ville on pouvait trouver plein de flingues, plein de pistolets. Donc je pourrais tirer à gogo, avoir des réserves de flingues sur moi. Et tu te souviens encore de l'astuce que j'avais découvert là dans ce jeu? Le coup de prendre un flingue. Et de le jeter par terre pour vider ses munitions et te le repasser à nouveau pour que ça refasse des balles et tout là. J'avais cette technique. Ouais. C'était. En fait toi t'avais pris la fille. T'avais pris la fille et du coup elle avait droit à avoir plus de munitions, je sais plus quoi. On économisait beaucoup plus de munitions grâce à ce système, on en trouvait plus. Plutôt que de donner les flingues. De vendre on vendait les flingues vides du coup de les jeter par terre. Ça les décharge automatiquement. Tout est fait. Il n'y a plus qu'à retourner voir. Et il y a ton. Oh, alors ça vaut cher. Hein. Toi, tu balances de ces trucs par terre. Hein. Regarde ça. T'as ton cure-dent enflammé là, par terre. Ton truc pour épiler les poils du nez là. Pour cautériser les poils du nez. Il est là-bas. Ouais, il est là le truc. Ah ouais. C'est bien pour cautériser les poils du nez ça. Ouais. Et d'autres orifices. Hein. Alors, voyons voir. Le gars. Bon, vous avez réussi. Bien la porte du parking. Ouais. Une grande partie du système fonctionne. Ah, de nouveau, je m'inquiète juste pour le courant dans le parking. Bon, bah maintenant, localiser le camion. On va pouvoir aller au parking. Un petit coca avant de partir. Putain, j'ai toujours pas de munitions de pistolet. Ça m'embête ça.
Bon, couteau de cuisine, c'est pour le revendre. La faux, c'est pour la revendre aussi. Mais valeur, 39$. Marteau, je le revendrai. Putain, 8000, quand même, je commence à avoir pas mal de choses. Et vivement que je me trouve des balles. Bon. Qu'est-ce que je me répare, moi? À part rien. Un truc préféré. Tiens, mon truc préféré, donc ça. Et la machette enflammée. Ça vaut pas cher en plus la réparation, donc ça. Je réparerais bien la faux, mais bon, elle fuse tellement vite. La faux, ouais, c'est dommage, elle fuse trop vite. Ouais. Tiens, qu'est-ce que je pourrais niquer qui est bientôt. J'ai deux super marteaux 227, 186. Il faudrait que juste d'abord en priorité ça. Donc on continue. Bah vas-y, passe devant comme ça je te filme. Bon, moi je monte. Bah je descends. Ah bah c'est en bas. J'ai acheté un couteau. Aïe. Eh, hey, son sac à dos là, absolument. Son small ball backpack là. Alors. Mais y'a rien en haut, cul de sac. Y'a rien, y'a juste de la boisson. Et puis quelques. Eh, je peux même pas prendre le bâton par terre. C'est quoi comme bâton par terre? Ouais, moi aussi je peux pas, il est bugué. Il est bugué, ouais, peut-être en tapant le mec, je sais pas. C'est un bâton rude. Alors, faut aller en bas. C'était pas mon enflammé? Bah, non, il brûlerait, je crois. Oh, c'est quoi ça? Oh, attends, j'arrive pas à me le faire, ce gars. Je suis en bas, hein. Oh, il est passé. Oh, il m'a tapé, oh! Je suis pas content, hein. Je suis pas content quand il me tape. Il y a un banoï là. Là, sur le mur. Là, sur le mur, il y a un banoï là. Où? On a, ben là, il y a un banoï. Ah, mais je croyais un bouquin, moi. C'est l'affiche. On arrache l'affiche, on la prend. Alors attends, t'as de la rage en vous là. Une grenade. T'as, ben vas-y, pour le. Attends. Ouais, mais seulement pour le l'assassin. Attention. Non, l'assassin. Oui, ben non, c'était pour l'assassin. Non, mais c'est pas bon. Hein. Attention, ça va électrocuter. Pas sur moi. Éloigne-toi, crée ta peau. Ah, ça y est. En plus, il est dans l'eau. S'il est pas mort, j'ai une rage. Hein. Attends, il reste combien de points de vie? Il a là. Beaucoup, ouais. Plus beaucoup maintenant. Est-ce qu'on peut passer là, non? Eh, on peut passer! Oh putain, on peut passer! Ok! T'as même pas filmé ma rage! Si, j'ai filmé quand t'as tué l'assassin. Eh ben moi j'ai gagné 800$ en tuant l'assassin! Bah moi aussi, les sous. Bah si, ils sont venus sur moi, les sous. Putain, il m'a massacré le salopard là! Touche pas, mon copain! Putain, il m'a blessé, oh! Y'a pas un jeu de feu! T'as vu, j'ai fait une coupe au bol! Ouais. Tiens, il y a une poubelle. Ah, t'as déjà fait. T'as déjà fait les poubelles, bah, toi ouais, bah oui. C'était le. Comment ça s'appelle? Des écrous. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le parking? On fit tout. Ah, il y aura une belle petite cinématique d'ailleurs avec les. Ah, bah c'est le coup des. Bah, je dis rien. Eh, il y avait une bouteille de gaz là pour le. Oh putain, il y a une scène cinématique. C'est toi qui es monté dans le camion? Ouais, pardon. J'étais en train de ramasser un peu. Super, une petite cinématique. Et attends, je ne dis rien, on va pas spoiler pour ce qu'il va y avoir. C'est toi qui spoil, c'est pas moi. Ouais. C'est bon, on a fini l'hôtel. Eh ouais, bah attends maintenant. On a encore 35 minutes devant nous. Hein. Ah bah c'est bien. Donc
Oh, regarde en l'air, hélicoptère. Là, il va y avoir du monde, là. Hélicoptère, hélicoptère, oui. Oh, yeah. Il y en a d'autres? Non. Oh, ouais, il y en a tout plein. Le fourgon, bah, on pourra prendre le fourgon pour les écraser. Ah, j'ai des munitions de pistolet à récupérer après. Mais ils sont spoilés les bâtons, j'arrive pas à les prendre. Ils sont buggés. Là, il y a l'excité là au bataillon, là, au portillon. Bon, ils calment leur joie là. Et ils sont peut-être infinis. Ah oui, il faut rentrer vite dans le fourgon. Vite, vite, le fourgon, je conduis. Je démarre. Vas-y, passe à gauche. Qu'est-ce que tu fais là? Je recule. À l'envers. C'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Bah oui, mais j'arrive pas à monter. Mais c'est de l'autre côté. Voilà. C'est bon. Non, du moment qu'il y a un piège qui s'affiche bleu, c'est bon. Hein. Ah oui. Poser, c'est bon. Hein. Je vais juste m'arrêter au niveau de la voiture de police pour les balles de pistolet. Là, je crois qu'il y a des balles de pistolet là. Attends, descends pas. Hein. Parce que... Ah, je suis descendu. Ouais, mais... C'est bon, j'ai les munitions de pistolet. On remonte vite dedans. Parce que là, on va être submergé. Voyez, on se les fait tous, on se fait des points d'expérience. Et où, toi? Bah, si tu montes dans... Dès que tu montes dans le camion, je monte. Je démarre. Ah, je suis pas comment. Marteau de charpentier. Ah, il y en a un bon paquet. Hein. Et, attends, il y a des excités en plus. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on s'enfuit, c'est prévu dans la quête. Faut qu'on s'enfuit, il faut absolument décoller. Hein. Allez, je décolle sans toi, je démarre sans toi. Hein. Vite. Monte dans la voiture, monte dans la voiture. Dès que tu montes dans la voiture, je démarre. T'as vu comme je te protège, moi, je suis pas comme ça, moi. Vas-y, je démarre. Non, je paye un peu les cadavres, là, qu'on a tout bousillé, là. Je suis content que j'ai eu des munitions de pistolet dans la voiture flic. Allez, monte. Avec tout ce qu'on a buté, là. Ouais, ça fait de l'argent. Ah, puis il y a la voiture de... T'as même pas l'arme. Okay. Allez, monte. C'est sympa et tout, l'animation et tout, le perso. C'est mieux fait que dans War Z et des Z où il n'y a aucune animation. Les mecs sont... Alors... On les voit même pas tourner le volant. Et au fait, tu me vois tourner le volant, là? Comment tu me vois, moi? Parce que moi, je tourne le volant, je le... Voilà, moi, je tourne le volant. Et tu me vois tourner le volant? Ouais. Ouais, bah dans... Dans DZ, c'est vraiment mal fait, parce qu'il tourne pas le volant. Hein. Et le volant tourne, mais les mains ne bougent pas. Tes épaules qui bougent. Ouais, voilà. Ouais, c'est mieux fait, je te dis. Je comprends pas qu'il y en a qui s'amusent à jouer à des jeux comme DZ et WarZ, qui sont devenus des jeux cheatés ou juste où les gars sont que de se tirer dessus, alors qu'on a des vrais jeux de zombies comme les Dying Light. Ah, il a pas aimé, lui. Autant aller sur Battlefield si on veut se tirer dessus. Hein. Voilà, on arrive donc avec le super fourgon qu'il va falloir bricoler, améliorer. Et voilà, la brine, c'est de retour. Ils vont être contents, les copains. Bon, ben, je vois qu'il y a deux quêtes à l'étage. Je vais juste rapidement réparer mes armes. Vachement usé quoi. Là, vendre des choses aussi. Bon, désolé pour le côté pas intéressant de le fait que je répare mes armes, mais hein. Euh...
juste revendre un petit peu de trucs. Voilà. Alors, bâton de feu, ça je vends. Ça je vends. Ah, si, le bâton de feu, je vais bientôt. Ça je vends. Ça je garde. Ça je vends. Hop. Le pistolet, oulala, je garde. Oh, j'ai plein d'alcool. Bah, quand on passera, on fera des cocktails Molotov chez le mec là qui lui fait pas cher. Bon. Je vais aller activer les quêtes à l'étage. Donc nous avons qu'un, il n'y a qu'un qu'un. Ah bah lui c'est pour les cocktails Molotov, ça fait un peu cher que 5 bouteilles d'alcool. Non, non, mais oh, tu me voles. Ah, il y a une quête à l'étage, faut que tu montes, j'ai besoin de toi. On fera tout ça hors caméra, s'il te plaît. Ouais, d'après toi, je fais quoi? Je cours. Voilà. Et moi, je suis même pas passé truquer les criquets, hein. On n'a pas truqué les... Criquets les bidules. Mais attends. Attends, du troisième joueur. Ah. Bon travail, je voulais pas vous le dire, mais j'avais peur qu'il soit pas un chat. Alors, diamant, oh, diamant, ouais. On a entendu quelqu'un à la radio parler d'un hélicoptère qui s'écrasait. On va alors devoir aller au site du crash. Hein. On peut jeter un coup d'œil, oui. Oh, merde, j'ai dit non. Attends, il faut activer la quête, oui. Ouais. Bon, faut aller voir cet hélicoptère. Ah, cet hélicoptère, on est débloqué. En allant voir l'hélicoptère, on pourra peut-être débloquer le bunker. Trouver le plan là. Ah oui. Le plan sur la plage. Mmh. Qu'est-ce que je voulais dire? Munitions de pistolet. On pourrait. Oui, on pourrait aller à la. Tu veux aller à l'arène là pour faire plein d'achats et tout? Ben on pourrait. Moi j'ai plein de choses à poser, des trucs à machiner. Il y a encore une quête à l'étage. Ah oui, mais c'est pour le. Écoute, comme ça, hors caméra, on pourrait aussi. J'ai plein de cocktails Molotov à faire. Il y a plein de choses à faire. On pourrait faire plein de petits trucs hors caméra là. Hein, on va terminer l'épisode. Attends, on va prendre le fourgon blindé. Il est infini là. Si on le prend, il nous le... Ah mais non, il est fermé là, on peut pas le reprendre. Non, on peut pas le conduire, il est réservé pour la mission. Donc ce qu'on a à faire pour la prochaine épisode, donc on a l'hélicoptère à aller voir. Bah au pire, l'hélicoptère c'est où? L'hélicoptère... on fera... Tiens, bah il faut faire une halte au phare. On va au phare en bagnole, hein, pour finir l'épisode. Et près du phare, on pourrait se téléporter à l'arène, tout ça. Moi, je vais regarder sur le plan. Ouais, regarde les quêtes en cours, les trucs aussi. Tiens, tu fais mon copilote là. Les quêtes, les machins. Ouais, j'ai essayé de trouver où il y a le plan. Ouais. Ah oui, il est là. Ah, mais c'est sur la route. Ah ouais. Le plan, il est sur la route. Faudra juste qu'on revienne sur nos pas juste après qu'on ait fait l'hélicoptère. Ah oui. Ouais. En allant. Ouais, donc on va aller au phare. Et du phare on pourra descendre comme le soir, là, descendre la montagne. Ah ouais, c'est bien ici. T'as vu comment ça braque fort là la voiture? Il suffit d'arrêter d'accélérer. Il est croisé avec Schumacher, lui. Sébastien Loeb. Voilà. Bon, bah, on va reprendre le prochain épisode ici. Hein, attends, bah, le dernier épisode. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on aura plus qu'à. On va faire le point donc. On va redescendre d'ici la côte, en prochain épisode, on va aller à l'hélicoptère, tout ça.
Et entre temps, on va hors caméra, on va faire des petits trucs comme récupérer des munitions, vendre des choses, tout ça. Voilà. Bon bah écoute, allez, salut à tous pour un prochain épisode. À bientôt. Ouais, ciao ciao.